une chambre d'hôtel? Ben, je cherchais quelque chose, premièrement, qui se démarque, quelque chose d'intéressant, puis qui faisait un petit peu sexy. Puis une chambre d'hôtel, non seulement, bon, ça symbolise les vacances, mais ça symbolise aussi une espèce de rendez-vous secret qui n'est pas à la maison, puis où il y a un lit. Ça fait très longtemps que j'ai commencé à travailler sur ce projet-là. C'est depuis que j'ai quitté le band d'avant qui s'appelait 1976. Donc 2003-2004. C'est drôle, c'est une fine ligne entre vouloir provoquer et aimer des choses provocatrices. Est-ce que j'ai envie de changer des choses? Ça, c'est drôle, hein? C'est comme la question politique, hein? J'ai pas tendance à faire des chansons politiques. Je trouve souvent que les chansons politiques, les artistes se les imposent à eux-mêmes pour avoir une espèce de crédibilité. Puis, ça a souvent l'air forcé. Puis ça, je trouve que ça m'énerve plus qu'un artiste que je vais trouver insipide. Donc, je laisse vraiment libre cours à ce qui sort, puis je trouve que ce qui me va le mieux, c'est des paroles coquines, puis des chansons qui sont plus fun, disons, que des trucs très lourds, très sérieux, ou, je sais pas, une histoire de suicide, X, Y, Z, là. Donc, ce que je veux changer, c'est que c'est qu'on respecte le génie des chansons intéressantes sans qu'elles soient profondes ou politiques. Moi, les chansons, les textes, là, c'est toujours, non, pas toujours, mais presque toujours, une genre de scène dans un film. Donc, le titre, il est bien important, parce que le titre va donner l'espèce de thème à tout ce qui s'en vient. Puis j'aime beaucoup avoir des, tu sais, parler de dates ou de jours de la semaine ou des noms de personnes ou des endroits, des villes dans le texte parce que ça donne une espèce d'image plus précise de l'histoire que je suis en train de raconter. Au niveau musical, ouais, les années 50, je suis très inspiré par tout ce qui se faisait là, de Chuck Berry à, tu sais, même les années 60, là, les premiers Gainsbourg, les trucs assez courts, puis les chansons coquines, tu sais, les chansons qu'on dit un peu sarcastiques, qui ont une arrière-pensée. Mais qu'on dit seulement la surface, puis le reste, ben, toi, t'as l'imaginer, tu sais. Aussi, ben, évidemment, le mouvement punk de New York, les années 70, là, Blondie, Ramones, Television, etc. Puis l'époque disco, parce que je trouvais ça tellement beau. Est-ce qu'il y a un impact chez les gays? Ben, j'imagine parce que je veux dire, les gays sont toujours très très friands de ce qui est extravagant, de ce qui est coloré. Puis moi, je rentre là-dedans. Hein? Donc, sûrement que c'est ça. Aussi, ben, du fait que j'ai travaillé si longtemps dans le milieu du nightlife, puis que souvent, une fois sur deux, disons, mon travail, ça donnait dans le village. On dirait qu'il y a peut-être plus de place dans le milieu des bars gays pour l'espèce de personnage extravagant comme ce que moi je suis, là. Mais c'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression que le public qui m'apprécie le plus, c'est les filles. Cette chanson-là, en fin de compte, c'était un espèce d'hommage à Jacques Dutronc parce que je trouve que. Une phrase que je me dis quand j'écris une chanson, c'est que est-ce que Jacques Dutronc dirait une telle parole? Parce que j'aime beaucoup la façon dont il écrivait ses chansons. Tu sais, c'était pas politique, c'était mais un petit peu quand même. Tu sais, on voyait quand même qu'il voulait faire passer ses idées. Il parlait de snobisme, il parlait de bon, tu sais, les cactus. C'est quoi les cactus là? Est-ce qu'on parle vraiment de la plante là? Je pense que non. Donc
toutes les filles sont folles de moi. D'après moi, c'est quelque chose que lui aurait écrit. Puis je la voulais comme updater. Mais c'est quand même basé sur quelque chose que j'observe dans les spectacles. Les gens en avant qui crient, là, c'est des filles. Merci, les filles! On te remercie, Patrick. Merci beaucoup.